15h, donc je vous propose de commencer. Une petite précision, lors de du dernier conseil municipal, la retransmission s'est interrompue au bout de 1h20. C'était malheureusement dû à un problème mondial de Facebook. Ce n'était pas dû à un problème local, ni de Jean-Philippe. Donc on espère que ça ne se reproduira pas cette fois-ci. Voilà, donc nous sommes 9 conseillers présents. Nous avons reçu 2 procurations. François-Yves Le Thomas a des grandes difficultés à se déplacer actuellement avec un problème de genou. Et il a donné procuration à Dominique Sichet. Et Charlotte Lelin-Pilon vient de subir une petite opération. Elle a donné procuration à Gabriel Cogent-Prigent. Donc nous avons le quorum et nous pourrons délibérer sans problème. Au niveau du secrétaire de séance, si on continue le tour, Jean-Philippe, ça serait toi, est-ce que tu es d'accord? Donc est-ce que le conseil est d'accord pour que Jean-Philippe Houtin soit le secrétaire de cette séance? Qui vote pour? Très bien, merci. Donc Jean-Philippe sera le secrétaire. Donc on peut commencer à dérouler l'ordre du jour. Le premier point, c'est, comme d'habitude, l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal du 5 mars 2024. Donc on vous a transmis le projet de procès-verbal. Est-ce que vous avez des commentaires ou... On a des commentaires, on va voter contre cette fois-là. Il y a eu des erreurs de... Il y a des débats qui n'ont pas été repris dedans. Et une erreur sur une phrase qui a été tournée de mauvaise façon. C'est au moment où Jean-Luc Lepage indique que n'ayant pas pu consulter le compte de gestion de la commune dans sa forme finale, il s'abstiendra d'approuver le compte en gestion du budget principal. Ce n'est pas dans sa forme finale que le compte n'a pas été consulté, mais dans la forme tout court. Ce n'est pas une bonne retransmission. Ce que je préférerais... comme vous recevez quelques jours en avance le projet de procès-verbal, vous nous renvoyez des commentaires. J'admets tout à fait les commentaires. Et si on est d'accord avec, on les intègre, ce qui évite ce genre de situation. C'est un peu le problème d'avoir des convocations un vendredi avant un week-end pascal. Le temps est réduit aussi, pour nous aussi, le temps d'étudier tous les dossiers qu'on reçoit. Effectivement, nous n'avons pas envoyé. La transmise 7 jours à l'avance. Très bien, donc on va passer au vote. Qui vote pour l'approbation du procès-verbal du conseil municipal? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, le procès-verbal est approuvé par 8 voix pour et 3 voix contre. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est l'affectation du résultat 2023. Donc, c'est le processus habituel avant de pouvoir voter les budgets. Et donc, on va passer les budgets les uns après les autres. On commence par le budget principal de la commune. Je vous rappelle que le compte administratif du budget principal de la commune présentait un excédent de fonctionnement de 140 891,72 € et un excédent d'investissement de 90 843,17 €. Alors, on le verra plus tard, mais compte tenu de la manière dont on a préparé le budget, on propose d'affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement au chapitre 1068, qui est l'excédent de fonctionnement capitalisé, donc pour 140 891,72 €, et de reporter l'excédent d'investissement au chapitre 001 pour 90 843,17 €. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, nous avons un commentaire. Vous proposez d'affecter l'intégralité donc, du résultat de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Nous comprenons la logique de cette proposition au regard de la situation tendue du budget d'investissement de la commune pour 2024. J'ai déjà eu l'occasion de dire l'an passé que le montant de cet excédent que l'on reporte et la sécurité que l'on se donne pour compenser un excédent de dépenses par rapport aux recettes de l'exercice suivant et qu'on n'aurait pas anticipé. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'y a pas d'inscription budgétaire cette année au compte de dépenses imprévues. Nous voterons donc contre cette affectation. D'accord.
Vous aurez noté quand même que dans le projet de budget, il y a un virement à la section d'investissement de 180 000 euros. J'ai noté, oui, bien sûr. Très bien. Eh bien, on passe au vote. Donc, qui est pour le fait d'affecter le résultat de l'exercice 2023 tel que je l'ai présenté? Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, cette affectation est approuvée par 8 voix pour et 3 voix contre. On passe maintenant à l'affectation du résultat du budget annexe des ordures ménagères et des déchets. Je vous rappelle que le compte administratif du budget annexe a présenté un déficit de fonctionnement de 17 205 euros et 59 centimes et un excédent d'investissement de 357 076 euros et 18 centimes. Donc la proposition, c'est bien évidemment de reporter le déficit de fonctionnement au chapitre 002 et de reporter la totalité de l'excédent d'investissement au chapitre 001. Est-ce que vous avez des commentaires ou des... Le vote s'impose. On peut pas arrêter. Mais... Ok, très bien. Donc on passe au vote. Qui est d'accord pour l'affectation du résultat tel que présenté à l'instant? Qui vote pour? Merci. Donc cette affectation est approuvée à l'unanimité. On passe au budget annexe de l'eau et de l'assainissement. Donc je vous rappelle que le compte administratif du budget annexe de l'eau et de l'assainissement présentait un excédent de fonctionnement de 36 223 euros et 16 centimes et un excédent d'investissement de 78 896 euros et 77 centimes. Donc on a proposé d'affecter le résultat de la manière suivante. L'excédent de fonctionnement qui consiste plus ou moins à partager en deux, la partie qu'on reporte sur le budget de fonctionnement et la partie qu'on affecte à la capitalisation. Donc l'excédent de fonctionnement reporté est proposé à 17 223 euros et 16 centimes et l'excédent de fonctionnement capitalisé au 10,68 est proposé à 19 000 euros. Pour l'excédent d'investissement, l'entièreté de l'excédent d'investissement est reportée au chapitre 001. Des commentaires ou des... Non, cette année, nous voterons pour cette affectation. L'année dernière, on s'était abstenu compte tenu des difficultés dans ce budget d'eau qui semble être rétabli cette année. Ok, très bien, je vous remercie. On passe au vote. Qui vote pour l'affectation du résultat du budget annexe de l'eau tel que présenté à l'instant? Qui vote pour? Merci. Donc, l'affectation est approuvée à l'unanimité. Le budget suivant, c'est le budget annexe des ports communaux. Donc, je vous rappelle que le résultat du compte administratif montrait un excédent de fonctionnement de 18 261 euros et 70 centimes et un excédent d'investissement de 135 724 euros et 40 centimes. Et on propose d'affecter le résultat de la manière suivante. Un excédent de fonctionnement reporté au chapitre 002, 1960 euros, et en excédent de fonctionnement capitalisé au chapitre 1068, la différence, à savoir 16 301 euros et 70 centimes. En ce qui concerne l'investissement, on reporte tout l'excédent d'investissement, bien évidemment, au chapitre 001 pour 135 724 euros et 40 centimes. Est-ce que vous avez des commentaires? Très bien, merci. On passe au vote. Donc, qui est pour l'affectation du résultat du budget annexe des ports communaux tel que présenté? Qui vote pour? Merci. Donc, cette affectation est approuvée à l'unanimité. Enfin, le budget annexe du SPANC. Vous vous rappellerez que le compte administratif a présenté un déficit d'exploitation de 1 129,88 euros
et un excédent d'investissement de 222,94 €. Donc, bien évidemment, on est amené à reporter le déficit de fonctionnement au chapitre 002, pour ce qui concerne le fonctionnement, donc, et l'excédent d'investissement, on le reporte intégralement au chapitre 001 pour 222,94 €. Est-ce que vous avez des commentaires? Donc, on peut passer au vote qui est pour l'affectation du résultat tel que présenté à l'instant, qui vote pour. Merci. Donc, cette affectation est approuvée à l'unanimité. Donc, voilà pour le point numéro 2, c'était l'affectation des résultats. Sur le vote, le point numéro 3 de l'ordre du jour, c'est donc le vote des taux d'imposition 2024. Donc, vous aurez vu dans le document de travail que il est proposé de reconduire les taux pour 2024 exactement au même niveau que ceux de 2023, à savoir pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires 25,40%, pour la taxe sur le foncier bâti 37,08%, pour la taxe sur le foncier non bâti 57% et pour la cotisation foncière des entreprises 25,42%. Pour être complet, je vous rappelle que nous avons voté en septembre 2023 une surtaxe sur la taxe d'habitation des résidences secondaires à un niveau de 60%, ce qui peut amener le commentaire que les impôts ont augmenté, mais les taux par rapport à l'année dernière n'ont pas augmenté. Est-ce que vous avez des commentaires ou... Alors, votre présentation est légalement correcte, puisque c'est ainsi que sont écrits les textes. Mais quand les feuilles d'imposition arriveront en fin d'année, les assujettis à la taxe d'habitation ne verront pas 25,4%, mais verront 40,64%. Résidence secondaire. Oui, j'ai bien précisé, c'est une résidence secondaire. Je ne l'ai pas entendu. Ils sont donc une majorité, évidemment, des maisons à Bréhat. C'est pour ça que j'ai précisé, pour être complet, qu'il y avait effectivement, les taux restent les mêmes, mais il y a cette surtaxe qui a été votée en 2023. Oui, mais elle est... Et donc, c'est non pas de 25%, ce sera bien de 40,64% qui sera le taux calculé pour les assujettis. Donc, c'est bien une hausse de l'impôt. Pour certains administrés, oui. Je vous propose de passer au vote sur les taux. Donc, qui vote pour le maintien des taux au niveau de 2023? Qui vote pour? Merci. Donc, les taux sont approuvés à l'unanimité. Le point suivant, c'est l'approbation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2024. Donc là, on propose tout simplement de reconduire le taux au niveau de celui de l'année dernière, qui, je le rappelle, était de 27,70%. Et là, il n'y a pas de finesse particulière, donc je vous propose de passer directement au vote. Qui vote pour le maintien du taux? Pardon, vous avez peut-être des commentaires? Oui, un commentaire, il n'y a effectivement pas de finesse particulière là-dessus. On rappelle quand même que les bases ont augmenté entre 5 et 7%. Oui, oui, absolument. De manière générale. Oui, oui. C'est-à-dire que le chiffre qu'a indiqué Dominique tout à l'heure de 40 et quelques s'appliquera à une base qui elle-même aura augmenté de 5 à 7%. Alors, cette année, ça augmente un peu moins. L'année dernière, vous avez raison, c'était cet ordre-là. Cette année, c'est un peu moins, d'après les informations qui nous ont été fournies. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui vote pour le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 27,7%? Qui vote pour? Merci. Donc, ce taux est approuvé à l'unanimité. Le point suivant... Toujours dans le cadre de la préparation de la présentation des budgets, c'est les subventions et participations communales 2024.
Donc, on vous a donné un document préparatoire où vous avez pu voir tout le détail. Et je vais passer la parole à Stéphane Morleva qui va nous en donner les principaux points. Donc, pour les sur le document préparatoire, il y avait un total qui était, oui, qui était faux, inexact. Et puis, on a eu du mal à recevoir formellement les demandes de certaines associations, et on en a reçu encore ce matin. Et donc, on a remis à jour aussi dans la colonne demandée. On a modifié. Il y avait des associations qui n'avaient pas demandé. On a reçu maintenant la demande officielle, dont on a corrigé et on a mis demandé. C'est ça les modifications. C'est le total d'une part, et puis le fait que les associations avaient bien ou pas. Le document que vous avez renvoyé ce matin. Oui, ouais, c'est celui-là. Oui. En fait, dans le premier calcul, on avait raison sur la colonne, vous avez marqué un montant d'environ 48 000 euros. En fait, c'est pas parce qu'en fait, pour le Secours catholique, par exemple, il y avait une date, et donc ça a complètement faussé en fait le calcul. Mais là, je vais vous détailler un petit peu maintenant. Donc, juste avant, si je peux juste demander à votre secrétariat de m'inclure dans la liste de diffusion, puisque je ne figurais pas dans. Ce matin. Pas destinataire de. D'accord. Mais que de ce matin ou de tous les documents de préparation? Celle de ce matin. Vas-y, Stéphane. Donc, pour les associations Bréatine. Pardon, et ça se fait de renvoyer rapidement, parce qu'on a mis une semaine à avoir le compte de gestion la dernière fois. On n'avait pas fait une demande par écrit, mais on l'a eu au bout d'une semaine, ce qui n'est pas normal. Donc, pour les associations Bréatine, hein, qui nous ont fait donc des demandes, voilà ce que nous proposons pour l'année 2024, ce qui concerne l'Amicale Laïque, hein, donc un montant de 2100 euros. Pour Fertile, un montant de 2100 euros. Pour l'Amicale des Pompiers, on attend encore leur demande. Hein, on devrait l'avoir. Ça leur permettra surtout de pouvoir payer les assurances des pompiers. Donc ça, c'est important. L'association L'Éphémère, 1000 euros. L'Office du Tourisme aura une proposition de 21 000 euros. En ce qui concerne les scènes de Bréa, il y a deux budgets différents. Il y a en fonctionnement donc 2000 euros. Et pour le festival, 7000 euros. Ce qui fait un montant global de 9000. Et ensuite, l'association Les Courants d'Art pour un montant de 1600 euros. Donc, c'est les propositions qu'on fait pour les associations purement bréatines. Je crois que tu voulais, Dominique, rajouter quelque chose pour l'Amicale Laïque. La demande de l'Amicale Laïque, en fait, correspond à un petit voyage qu'ils vont faire là, dans une ferme pédagogique à Trémariat, donc où les paysans accueillent des enfants régulièrement dans le cadre scolaire pour l'éducation à l'environnement et l'alimentation. Donc les deux classes vont y aller, du 13 au 17 mai pour les maternelles et les CP, et puis au mois de juin pour les CE1, CM1, CM2, donc pour la classe des grands, avec donc comme objectif évidemment une éducation au développement durable, à l'alimentation, avec une petite part du milieu naturel, et des activités culturelles régionales avec des contes bretons le soir. Donc ils partent du lundi matin au vendredi après-midi. Et donc c'est... comment dirais-je, un financement, un peu comme pour le voyage au ski, un tiers, les parents, l'Amicale Laïque et la mairie. Et donc, cette subvention de la mairie passe par l'Amicale. Voilà, et pour l'instant, ils nous ont dit qu'ils espèrent avoir une subvention de la région Bretagne à hauteur de 2000 euros. Et c'est pour ça que leur demande initiale était 3004 euros, correspondant à un tiers des dépenses totales. Et on a considéré, pour leur mettre un petit peu d'incentif, qu'ils auraient la subvention de la région. Et on leur a donc donné aujourd'hui 2100 euros. Si jamais ils n'avaient pas la subvention de la région, on reverra de manière à équilibrer un tiers. Et dernière chose sur ce projet, en fait, l'école des petits, au mois de mai, il sera... sur le site donc de la ferme de Trémagat avec une école de Groix, et les grands seront avec une école de Saint. Donc ils vont mélanger les élèves et pendant la semaine. Donc ça c'était donc pour les associations bréatines. Maintenant on va passer aux associations extra-communales. Donc pour l'école d'Iwan, 100 euros. Pour la SNSM de l'Eau-de-Vie de la Mer, 500 euros. Pour le CMA de Bretagne, donc pour l'apprentissage, donc c'est 100 euros par apprenti, donc on a 100 euros. En ce qui concerne le foyer socio-éducatif du collège Chambardelot à Paimpol, donc c'est 20 euros par élève, donc on a mis 280 euros. L'UFAT, c'est l'Union française des anciens combattants de Paimpol, donc 100 euros. L'ANACRE, donc les amis de la résistance des Côtes d'Armor, 100 euros.
INISI, qui est une association culturelle qui envoie des spectacles dans l'ensemble des îles du Ponant et qui nous ont offert cette année le spectacle d'un bluesman américain cet hiver, donc une subvention de 500 euros. Le Secours catholique, 270 euros. Et la visite des malades dans les hôpitaux, donc 50 euros. Donc tout ça pour un montant de 3000 euros. Et moi, je voulais amener une précision pour la subvention qu'on a donnée au Secours catholique, là. C'est parce qu'en fait, on a récupéré là-bas les 280 premiers numéros du Chasse-Marée, donc qui est un magazine depuis plus de 40 ans, donc qui explore la culture maritime du monde, là. Donc ils mettent sur leur site que le Chasse-Marée page pour 100 relâche toutes les mers du globe à la rencontre des femmes et des hommes qui y vivent, en vivent, y respirent et s'y inspirent. Donc on s'est dit que pour une île, c'était quand même important. Et donc on a donné ces 280 numéros à la bibliothèque de Bréa. Et donc on a considéré qu'il était important qu'on leur fasse un don cette année. Et ensuite, même si ce qui est dans le Chasse-Marée n'est pas forcément exact, y compris quand on parle de Bréa, j'avais eu l'occasion d'envoyer un courrier assez véhément à ce sujet. C'est à quel numéro ? Ancien. Donc il reste encore deux petites choses, c'est la participation aux dépenses des aides aux familles. Donc il y a une bourse pour les activités extrascolaires pour tous les enfants de Bréa qui font des activités donc, sur le continent. Donc pour 2024, on a proposé la somme de 5200 euros, donc, ce qui correspond à peu près à 250 euros par enfant. Et ensuite, donc, on avait voté aussi pour une bourse au permis de conduire, une aide au permis de conduire. En 2023, il y a un jeune qui l'a passé. Et donc, on a deux propositions pour 2024. On a proposé la somme de 1800 euros. Donc, voilà pour les demandes de subvention 2024. Vous avez des commentaires ou des... Vous avez répondu aux plupart des questions que nous avions et les erreurs, effectivement, qu'on allait vous faire remarquer sur les chiffres. Et vous avez rectifié... de vous-même par ce matin. Juste une question par rapport au CEMAD Bretagne, cet apprenti. C'est à Bréa, c'est... Je pense que c'est Camille, au 22. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais. Mais c'est à Bréa, quoi. C'est ouais, c'est pas pour une personne là et qui est apprenti là. Ok, je vous propose de voter et on va voter en deux parties. La première, c'est sur les subventions et la deuxième, c'est sur les participations aux dépenses des familles. J'ai un problème à voter les scènes de Bréa. Je suis administrateur de l'association, donc je suis obligé de... Alors, je ne sais pas si vous voulez faire le pavé moins les scènes de Bréa. Oui, oui. Pour scinder, alors, oui. Sinon, ça... oui, oui. Sinon, il faut faire ligne à ligne. Non, non, on va faire comme ça. Je m'appuie ça aussi. Mais, pardon mais je m'appuie ça aussi, moi, pour le coup. Pour fertile. Et moi, pour l'éphémère. Et les c'est pas une abstention, c'est on prend pas part au vote. Oui. Non mais il y en a trois. Donc je propose qu'on vote pour les subventions aux associations à l'exception des scènes de Bréa, de fertile et de d'éphémère. À savoir que moi je ne suis plus dans le bureau d'Amitalaï. J'étais trésorier auparavant, je ne suis plus. Donc, qui vote pour les subventions à l'exception de ces trois-là ? Qui vote pour ? Donc, c'est approuvé par 8 voix pour. Et 3 ne participent pas au vote. Non, pour ces 8-là, on a voté là-dessus. Non, c'est... Là, tout le monde a participé. Là, tout le monde a participé. Pardon. Maintenant, on va faire un par un. Donc là, ça va 11 voix pour. Donc là, maintenant, il faut faire un vote pour fertile. Voilà. Alors maintenant, on va voter dans l'ordre pour la subvention à fertile, une subvention de 2100 euros. Donc, qui vote pour ? Jean-Philippe, tu participes pas au vote. Donc, c'est approuvé par 10 voix pour. Jean-Philippe ne participant pas au vote. Ensuite, la suivante dans l'ordre, c'est l'éphémère. Donc, qui vote pour ? Donc, 10 voix pour et Stéphane Morlevin ne participe pas au vote. Et la dernière, c'est les scènes de Bréa qui votent pour. Donc, c'est 10 voix pour et Victor Mann ne participe pas au vote. Merci. Et donc, la deuxième partie de ce vote, c'est pour les participations aux dépenses des familles. Donc, activités extrascolaires et bourse au permis de conduire. Qui vote pour ? Très bien, donc approuvé à l'unanimité.
Voilà, donc on a maintenant tous les éléments pour pouvoir regarder les budgets primitifs. Vous avez reçu une présentation PowerPoint et puis d'autre part tous les extraits des documents. Et je vais passer la parole à Dominique Sichet, l'adjoint aux finances, qui va nous faire une présentation détaillée des différents budgets. Dominique, tu prends le micro. Donc voilà la présentation du budget primitif 2024 pour la commune de l'Île-de-Bréhat. Les grandes orientations du DOB donc, qu'on a présentées au conseil municipal du 6 février dernier, les objectifs d'un point de vue financier restent les mêmes l'année, donc une maîtrise du budget principal de la section de fonctionnement, une poursuite de la remise à l'équilibre du budget ordures ménagères et déchets, et toujours une optimisation du budget au assainissement. D'un point de vue des réalisations donc, pour l'année 2024, on a donc l'aménagement du chemin vers le phare du Pan, la mise en place de la signalétique de l'Île-de-Bréhat qui devrait se faire au printemps et être prête pour cet été, la poursuite des études concernant le port de la Corderie, les études donc, pour toute l'année 2024 pour la restructuration de l'immeuble Les Rocs, une réhabilitation des sanitaires Place du Bourg et à Saint-Rayon, donc les travaux ont commencé Place du Bourg, où on va installer une cellule identique à celle qu'on a au patronage et une réhabilitation des sanitaires au niveau de Saint-Rion à l'entrée du chemin qui mène au phare du Pan. La réhabilitation du moulin du Berlot avec cette année des travaux principalement au niveau de la toiture qui a souffert lors de la tempête du mois de novembre. L'entretien et le renouvellement du parc de véhicules. Peut-être vous l'avez déjà aperçu, il y a donc un nouveau véhicule à la mairie qui va remplacer l'ancien véhicule blanc, donc c'est le même mais en gris, et avec cette fois-ci une rampe qui fonctionne pour les fauteuils roulants et donc pour les personnes à mobilité réduite. L'entretien des voiries communales, la poursuite du projet d'aménagement et d'équipement lié à la gestion des déchets, l'entretien et le renouvellement des réseaux et des équipements d'assainissement collectif, la réhabilitation de la cale de la chambre, donc, qui est maintenant terminée, et la mise en place d'équipements liés à la ZMEL, donc, pour les ports. Les recettes de fonctionnement 2024. On propose donc d'inscrire au budget 2024 pour le chapitre 70, produits des services, 177 780 euros. Donc ça correspond évidemment à la valorisation adossée à des consommations constatées en 2023 et la mise à disposition du personnel affecté au budget annexe avec une réévaluation à nouveau cette année. Donc pour le budget ordures ménagères, on garde le montant de 100 000 euros. Pour le budget des ports, on garde le montant qui avait donc déjà été réévalué l'année dernière de 8 500. Et par contre, il y a le budget du SPANC qui apparaît pour 7 500 euros puisque donc Frédéric, le technicien va maintenant être salarié de la commune, en fait, sachant qu'il travaille un jour par semaine. Mais donc, il est plus prestataire comme auparavant. Donc, il est inscrit dans le budget SPANC et donc dans ce chapitre. Le chapitre 73, impôts et taxes, et le chapitre 731, imposition directe. On propose donc d'inscrire au chapitre 73, 65 235 euros. Au chapitre 731, 1 028 765 euros. Donc on a une augmentation des impôts directs locaux liés à la récupération de la part départementale par les communes et à la réévaluation de la base imposable avec bien sûr la surtaxe sur les résidences secondaires. Et on reprécise ici que la recette issue de la taxe passager donc maritime est maintenue avec un ratio de 75% pour le budget ordures ménagères et déchets et 25% pour ce budget principal. Le chapitre 74, dotation, subvention et participation. On inscrit donc un montant de 360 000 euros qui reste stable. Vous avez le réalisé l'année dernière de 366 000 euros.
Donc voilà un petit focus sur ces principaux chapitres 73, 731 et 74. Pour le chapitre 75, on inscrit le montant de 158 800 euros. Pour le chapitre 0, 42, donc les opérations d'ordre, 134 410 euros. Pour le chapitre 013, 27 000 euros. Et pour le chapitre 77, 2 000 euros. Alors, il y a des petites différences. C'est dû donc au passage à la nomenclature M57, sachant qu'avant, on était à la M14. Donc, il y a des chapitres qui disparaissent. On va en voir un tout à l'heure. Et puis, il y en a qui réintègrent certains montants et d'autres qui les perdent, là, notamment les chapitres 75 et 77. Mais du coup, les recettes restent présentes quand même, bien sûr. Donc, la proposition budgétaire 2024 pour les recettes de fonctionnement s'élève à 1 954 000 euros. Maintenant, au niveau des dépenses de fonctionnement, le chapitre 011, charges à caractère général, on propose d'inscrire pour l'année 2024 un montant de 391 200 euros. L'augmentation est due à la prise en compte de l'inflation et de la hausse du coût de l'énergie, toujours par rapport au budget 2023, et une vigilance maintenue sur les lignes budgétaires pour maîtriser les coûts. Et on a quelques dépenses au niveau des services techniques, du matériel. Non, et puis il y a la réparation. Il y a la réparation du mur de traitement qui est dans ce chapitre, donc il y a de la M57, pour 25 000 euros. Donc il y a 25 000 euros qui, avant, ont été dans un autre chapitre. On va réparer le mur de soutènement de l'immeuble des Rocs, qui a été un petit peu impacté lors des travaux de la montée du port-clos. C'est un dossier d'assurance. La dépense doit être mise dans les dépenses de fonctionnement et c'est dans le chapitre... Les recettes de l'assurance, en fait, sont... Ouais, les recettes de l'assurance sont ailleurs, mais les dépenses sont dans un chapitre travaux généraux de voirie ou quelque chose comme ça. Donc, l'entretien de bâtiment doit être... diminuer de ce montant qui, avant, aurait été dans un autre chapitre. Le chapitre suivant, le 012, charges de personnel, on propose d'inscrire le montant de 761 000 euros. Donc, on prévoit une éventuelle augmentation générale des salaires pour la fonction publique de 3%, une prise en compte des arrêts maladie, parce qu'on a encore... un agent technique en arrêt maladie et un qui était en arrêt maladie au premier trimestre. Et puis toujours le chargé de mission PAT et tourisme durable sur l'année. Le chapitre 65, autre charge de gestion courante, on propose d'inscrire 108 000 euros. Donc la subvention aux associations, dont Stéphane a présenté tout à l'heure. Et donc, suite au passage à la M57, il y a des dépenses liées aux bourses qui sont intégrées au chapitre 65. Et on a une baisse de 38% de créances éteintes qu'on avait l'année dernière, donc suite au non-paiement des loyers là, qu'on avait accordé au Verri de Bréa. Chapitre 042, 66, 67, 014 et 023, donc les amortissements, charges financières, charges spécifiques, atténuation de produits et virement à l'action d'investissement. Donc pour le chapitre 042, on vous propose comme inscription budgétaire 2024 348 700 euros. Pour le chapitre 66, 68 000 euros. Ça correspond donc aux charges financières liées à l'emprunt pour l'acquisition de l'immeuble des Rocs. Le chapitre 67, donc 2 000 euros. Il y a également, effectivement, là, avec le passage, comme on en parlait tout à l'heure, à la M57, un petit changement où les dépenses de ce chapitre ont été intégrées au chapitre 65. Le chapitre 014, 94 600 euros. Et au chapitre 023, donc 180 000 euros, le virement à la section d'investissement. Ce qui nous donne un total des dépenses de fonctionnement
pour l'année 2024 1 954 000 euros. Voilà un petit rappel des montants au niveau des différents chapitres. Et cela nous donne une épargne brute prévisionnelle de 394 790 euros. Pour rappel, au niveau des comptes administratifs 2023, elle était de 228 151,68 euros. L'augmentation, évidemment, est due à la surtaxe sur les résidences secondaires. Voilà. Vous avez des questions ? Des commentaires ? Sur le. Ce que vous présentez comme ça, un peu le. On peut faire un premier commentaire. On a eu, malgré le temps passé, beaucoup de mal à recouper les chiffres du DOB avec ceux du budget 2024 et Dominique qui reviendra tout à l'heure pour les budgets eau et ordures ménagères et déchets. Je ne vais pas commenter en détail chacun des chiffres, mais m'en tenir à un commentaire global. Je note que les chiffres qui sont indiqués comme budget global 2023 sont, sauf erreur de ma part, ceux du budget après prise en compte des décisions modificatives, c'est-à-dire donc après correction et non pas les chiffres qui ont été votés par ce conseil municipal il y a un an. Voilà pour ma première remarque. Les autres sont liés produits et charges, donc j'attendrai la fin de la présentation de... Ah pardon, vous n'êtes pas rentré en détail dans toutes les charges, on n'aura pas. Alors, en raison de l'augmentation d'impôts que vous avez décidé, alors vous n'avez pas indiqué d'ailleurs de combien elle était l'augmentation d'impôts liée à la surtaxe sur les résidences secondaires. 215 000 euros. La recette, ouais. J'avais un montant inférieur à ça. Les produits progressent plus vite que les charges. Contrairement à ce que l'on avait observé entre 2023 entre 2022 et 2023. Espérons que ça sera également le cas lorsqu'on sera dans la réalisation. Mais s'il n'y avait pas eu ces 215 000 euros, les charges auraient continué à augmenter plus vite que les produits, sauf erreur de ma part. Il y a un poste, on l'avait dit, il y a le poste Les Rocs. Alors, il y a le poste Les Rocs, et c'est vrai. 168 000 euros. Pour 68 000 euros. 68 000 euros. Pour 68 000 euros. Non. Il y a d'un côté, ça va être ma deuxième remarque, la section de fonctionnement avec un excédent que vous avez montré enregistre la totalité de l'augmentation d'impôts, donc 215. Okay. Moi, j'avais un chiffre un peu inférieur et on ne l'avait pas dans nos dossiers. Mais seules les charges financières sont comprises dans le compte, dans la section de fonctionnement, c'est-à-dire pour 68 000 euros. Donc on a d'un côté 215 000 euros qui viennent en charge, qui viennent en produits, pardon, 68 000 euros qui viennent en charge. Il y a 100 000 euros qui figurent, et vous allez en parler, j'imagine, en remboursement d'emprunt, en section d'investissement. Donc la comparaison des produits et des charges de la section de fonctionnement entre 2023 et 2024 doit en tenir compte. Je referai le calcul avec 215 000 et non pas le chiffre que j'avais retenu. Mais sans cette augmentation, les charges, sans cette augmentation et probablement sans le 68 000, les charges et les produits devaient être en. Les produits ne devaient pas augmenter plus vite que les charges. Hein. On regardera. Donc il y a une partie. Mais là, si on regarde l'épargne brute, on propose une augmentation de oui. Plus importante que la différence entre les 215 et les 65. C'est à 2023 228, vous êtes à 394, on est au niveau de la précision. Moi, je prends les chiffres, j'ai 215 000, j'aurais 215 000 de moins en produits s'il n'y avait pas eu cette augmentation et les 68 000 d'un autre côté. Donc je referai le calcul pour voir quelle aurait été l'incidence. Voilà le premier commentaire sur cela. On peut passer à la section
Investissement, donc les propositions de dépenses pour 2024. Pour un montant donc de 761 130 en chapitre 20-21 et un montant au chapitre 23 de 153 000 euros. Les principales dépenses cette année, ce seront surtout les études au niveau de la restructuration de l'immeuble des Rocs, également des études au niveau de l'aménagement du port de la Corderie, et les études aussi, la fin des études signalétiques, aménagement du chemin du phare du Pan, les projets environnementaux. Au niveau des réalisations, au niveau des dépenses d'investissement, ça va être principalement la réhabilitation des sanitaires publics et la signalétique, évidemment, de l'île de Bréa. Également la réhabilitation du moulin du Birlot. Voilà, avec de l'entretien de voirie également, les remplacements des engins et matériels. Quelques acquisitions de terrain. Au niveau des autres dépenses d'investissement, pardon, il y a le chapitre 040, donc les opérations d'ordre de transfert pour 134 410 euros. Les chapitres 041, opérations patrimoniales pour 210 960 euros. Emprunts et dettes assimilées pour 142 000 euros. Et au chapitre 45-81, comptabilité distincte rattachée, 72 500 euros. Donc ce chapitre étant apparu à nouveau avec le passage à la nomenclature M57 et qui correspond en fait à la régularisation des travaux sous mandat pour la montée du Porco. Ce qui nous donne un total des dépenses d'investissement, la proposition du budget primitif 2024 d'1 474 000 euros. Au niveau des recettes d'investissement, donc voilà un petit camembert qui montre un petit peu au niveau pourcentage. Donc on a 181 000 euros du virement de la section d'exploitation, on a les opérations d'ordre, les opérations patrimoniales, les dotations et fonds divers, des subventions, on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Donc ici, au niveau des subventions, on a donc le solde de subvention pour la montée du port clos. On a des acomptes de subvention pour le projet des Rocs, sachant qu'on avait donc deux types de subventions pour les Rocs, les subventions par rapport à l'achat, et on aura ensuite, dans les années futures, les subventions par rapport aux travaux. On a également des acomptes pour les subventions d'exception culturelle et naturelle, pour les projets signalétiques et chemin du phare du Pan. Et là, ces trois-là donc sont actés. La quatrième, c'est en cours de demande, donc une subvention pour les travaux au moulin du Berlot, donc principalement, je vous ai dit tout à l'heure, la toiture et également un petit peu de maçonnerie. Et donc là, vous avez les montants que l'on attend de l'État, de l'AIP, de la région Bretagne, des départements et d'autres organismes. Pour un montant total donc de 368 500 euros pour l'année 2024. Ce qui donne un total des recettes d'investissement au niveau de la proposition du budget primitif 2024 d'un montant d'1 474 000 euros. Là, c'est à nouveau les chapitres un petit peu en détaillé, avec donc les totales dépenses, totales recettes, 1 474 000 euros. Alors, sauf erreur de ma part, si on tire les 215 000
d'un côté et qu'on tire les 68 000 de l'autre, on a des charges qui augmentent que les produits. Il y a un élément sur lequel vous n'êtes pas appesanti et qui est un élément dont on a parlé la dernière fois, qui sont les opérations, je crois que ce sont les produits exceptionnels, il y en avait beaucoup. Lors du compte administratif, il y en avait pour 98 000 euros. On avait évoqué lors du vote du compte administratif le fait que c'était des recettes qui étaient pas pérennes, le cas échéant. Ce que vous inscrivez dans le budget 2024 le montre. Donc hors l'augmentation liée à la surtaxe sur les résidences secondaires et les 215 000 de produits en plus, cette année encore, les charges auraient augmenté plus vite que les produits. Modulo ce que j'ai dit sur les produits exceptionnels par honnêteté intellectuelle, mais il reste un sujet sur lequel... Il va falloir être vigilant. On va lire mon truc. Mais les chiffres, on n'avait pas le 215 000, hein, donc il était nulle part dans le dossier. Ouais, je pense qu'il est bon. Même si c'est 170, 180, la tendance est la même. Donc, faisons attention. Alors, sur les questions sur le budget principal, section d'investissement, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a une opération importante contre laquelle on a voté, qui est l'opération des ROC. Donc, nous voterons contre tant le budget de fonctionnement que le budget d'investissement de la commune. Très bien. Je précise quand même que il faut bien comprendre que l'année 2024 est une année de transition. L'année 2023, on a acheté le bâtiment, d'accord. L'année 2024, on ne fait quasiment que des études. Et l'année 2025 sera une année principalement de travaux concernant ce projet. Il faut le voir comme ça. On a été prudent dans la manière dont on a pris en compte les subventions qu'on va recevoir et qui sont déjà approuvées au niveau de l'État ou de la région, compte tenu du fait qu'on a considéré cette année des acomptes de 30%. Et on va essayer d'améliorer ça. Il faut être prudent, et mon expérience montre que même une subvention accordée, notifiée, peut ne pas être versée. Ça nous est arrivé dans cette commune. Donc, soyons prudents. Non, mais on va être prudent. Est-ce qu'on passe au vote? Oui, je pense qu'on passe au vote. Sur la base de ce budget, dont on peut en résumer, se rappeler les montants, dire que le budget de fonctionnement est à 2 millions d'euros, pour arrondir, et le budget d'investissement est à 1,5 million. Ça fixe bien les idées. Qui vote ce budget? Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Ce budget est approuvé par 8 voix pour et 3 voix contre. On passe au... Budget annexe, ordures ménagères et déchets pour l'année 2024. On propose donc un total de dépenses de fonctionnement de 578 000 euros. Le poste principal est donc le chapitre 011, charge à caractère général, pour 269 544,41 euros, qui correspond à la gestion et au transport des déchets, au petit matériel et aux différents engins, évidemment, entretien et carburant. Le chapitre 002, résultat d'exploitation reporté, pour 17 205,59 euros. Les charges de personnel, on en a parlé tout à l'heure, pour ce budget ordures ménagères et déchets, donc de 100 000 euros. Un virement à la section d'investissement de 20 000 euros. Le chapitre 042, opération d'ordre de transfert, 171 000 euros. Et ensuite, deux petits chapitres, 65, autres charges de gestion courante pour 100 euros et le 67, charges exceptionnelles pour 150 euros. Au niveau des recettes pour la section de fonctionnement du budget ordures ménagères et déchets, on propose un total de 578 000 euros.
Le chapitre 042, opération d'ordre et de transfert de 86 025 euros. Le chapitre 70, vente de produits, 23 100 euros. Ce sont donc les produits de la déchetterie et les composteurs. Le chapitre 73, impôts et taxes, pour 421 800 euros, qui correspond donc à la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, et pour 75% donc de la taxe passager maritime, pour un montant de 105 800 euros. Le chapitre 74, dotation et participation, pour 17 075 euros. Et le chapitre 75, autres produits de gestion courante, pour 30 000 euros. Pour info, on a repris, en ce qui concerne la taxe passager maritime, le même montant que l'année dernière. Globalement, et puis comme on répartit de la même manière, on arrive au même résultat. Pour la section d'investissement, on propose pour l'année 2024 au budget primitif un total de dépenses d'investissement de 795 000 euros qui se répartissent avec le chapitre 040 opérations d'ordre de transfert 86 025 euros. Le chapitre 041, opération patrimoniale, pour 152 700 euros. Le chapitre 20, immobilisation incorporelle, 75 300 euros, qui correspondent aux études TPFI. Le chapitre 21, immobilisation corporelle, pour 320 975 euros, dont 108 000 euros pour le deuxième compacteur. Et au chapitre 23, immobilisation en cours, pour 160 000 euros, qui correspond à l'aménagement de la zone de transfert pour un total donc de 795 000 euros. Les recettes d'investissement pour le budget ordures ménagères et déchets pour l'année 2024 représentent évidemment également un total de 795 000 euros. On y retrouve le chapitre 001, solde d'exécution de la section d'investissement reporté de 357 076,18 euros. Un virement de la section de fonctionnement au chapitre 21 pour 20 000 euros, des opérations d'ordre de transfert au chapitre 040 pour 171 000 euros, des opérations patrimoniales au chapitre 041 pour 152 700 euros, le chapitre 10 dotation fonds divers pour 33 855 euros, le chapitre 13 subvention d'investissement pour 60 000 euros. C'est donc la subvention attendue de l'ADEME par rapport au point d'apport volontaire. Et enfin, au chapitre 16, emprunt et dette assimilée pour 368,82 euros. Et donc un total de dépenses et de recettes d'investissement de 795 000 euros. Voilà la synthèse du budget ordures ménagères et déchets pour le budget primitif 2024. Commentaire, question ? Pas long, je vous rassure. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de reconstruire une cohérence entre vos différentes présentations depuis le début de l'année et en particulier en commençant par le débat d'orientation budgétaire en janvier. Et en fait, je m'aperçois qu'il n'y en a aucune, ni dans leur globalité, ni dans les détails. Donc, pour éviter de faire perdre notre temps à tous, je n'ai juste quelques remarques sur votre présentation aujourd'hui. Tout d'abord, on vous a posé une question sur le compte administratif de fonctionnement du budget des ordures ménagères et déchets au dernier conseil, mais qui est resté sans réponse. Jean-Luc Lepage l'a rappelé tout à l'heure. Je répète donc la question pour que ceux qui l'auraient oublié. Donc, en 2023, les ventes de produits ont été divisées par 3, il se passe de 48 000 à 15 000. Et sans cette baisse de produits, ce compte aurait été équilibré. Tout à l'heure, vous nous avez rappelé qu'il était déficitaire de 17 000 euros. Toujours au dernier conseil, vous nous aviez dit que le coût du personnel affecté à cette activité devait être le reflet de la réalité et que vous étiez favorable à la transparence des coûts et que ces coûts allaient augmenter. Mais on ne trouve pas d'augmentation dans le budget de coûts du personnel dans le budget 2024. Et en réalité, ce poste ressemble plus à une variable d'ajustement. 90 000 euros affectés en 2021, seulement 80 500 en 2022, et 100 000 en 2023 et encore 100 000 en 2024. Donc
sans augmentation par rapport à l'année dernière. Et avec des variations de cette ampleur, on a l'impression qu'on fait dire un peu ce qu'on veut à ce budget de fonctionnement. Et dans la section investissement, vous nous avez présenté en début d'année au DOB un montant de 590 000 euros dans lequel vous avez inscrit 100 000 euros pour la sauvegarde du bâtiment de la presse à ordures. Aujourd'hui, vous nous présentez un montant d'investissement de 795 000 euros, soit 305 000 de plus, hors sauvegarde du bâtiment dont on ne parle plus. Donc la cohérence entre ces deux présentations, moi je n'en vois aucune. Et donc rentrer dans plus de détails à ce stade paraît assez inutile, donc nous on votera contre ce budget. Je pense que vous faites une confusion entre le DOC qui regarde les dépenses sur plusieurs années et pour moi la presse à ordures. La colonne 2024, monsieur. Pardon ? J'ai pris que la colonne 2024. Je ne pense pas qu'on ait prévu 100 000 euros de dépenses sur la presse en 2024. Le total était de 590 000 euros. Je peux rechercher. Mais il faut un petit moment, mais on peut rechercher. Je vais vous le retrouver. En tout cas, il n'est plus question de la presse. Oui, non, mais j'ai ouvert conseil municipal, la salle doit être accessible. Ah, ouvre la porte des cuisines, Steph. Je vérifierai. J'ai jamais eu en tête qu'on aurait une opération de 100 000 euros sur la presse à ordures en 2024. Je vous propose d'avancer et on vérifiera. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, on passe au vote. Donc, qui vote pour la proposition de budget d'ordure ménagère telle que présentée ? Qui vote pour ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Ce budget est approuvé par 8 voix pour et 3 voix contre. Le budget suivant, c'est le budget eau et assainissement. Ah, pardon, monsieur, je l'ai trouvé, excusez-moi. Page 13 de la présentation, colonne 2024, 590 000 euros, dont 100 000 pour sauvegarde bâtiment de la presse. Je vais vérifier parce que. Et 0 avant, 0 en 2023, 0 après. C'était celui de 2023, ça. Non, le DOM veut présenter là. Il y a 2023, s'il y a la colonne 2023, c'est pas le dernier. Je répète, c'est le DOM qui a été présenté en janvier de cette année. Du coup, il n'y a pas de colonne 2023. En tout cas, c'est ce qui vous a été présenté 2024. Il ne peut pas y avoir de colonne 2023, ça ne va pas être celui-là. Dans la colonne 2024, moi je trouve 100 000 euros pour ça. Ouais, c'est. Mais bon, ça ne change rien à la situation. Ok, on avance. Donc le budget eau et assainissement pour la section de fonctionnement 2024, on propose un total de dépenses de 211 000 euros qui se décompose par le chapitre 011 charges à caractère général pour un montant de 39 500 euros correspondant donc aux achats d'eau, le chapitre 022 dépenses imprévues pour 600 euros, le chapitre 042 opérations d'ordre de transfert pour 163 500 euros, le chapitre 65, recharge de gestion courante pour 100 euros. Le chapitre 66, charges financières pour 5 900 euros. Le chapitre 67, charges exceptionnelles pour 1 400 euros. Des recettes de fonctionnement pour un total de 211 000 euros, décomposées par le chapitre 002, donc résultat d'exploitation reporté pour 17 223,16 euros. Le chapitre 042, opération d'ordre de transfert, 69 175.
et le chapitre 70, vente de produits, pour un montant de 124 601,84 euros, correspondant aux recettes de la part communale eau et assainissement. Et le chapitre 042 au niveau des dépenses, il y a donc eu un travail qui a été fait à nouveau au niveau des amortissements et donc une mise à jour. Pour la section d'investissement, on propose un total de dépenses d'investissement pour l'année 2024 de 294 000 euros. On y retrouve le chapitre 040, opérations d'ordre de transfert pour 69 175 euros. Des opérations patrimoniales au chapitre 041 pour 8 875 euros. Au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées pour 27 400 euros. Au chapitre 20, immobilisation incorporelle pour 18 130 euros. Au chapitre 21, immobilisation corporelle pour 147 920 euros, correspondant donc à des travaux sur le réseau de la Léguatte et aménagement de la steppe. Le réseau de la Léguatte, donc, c'est le réseau autour du terrain de foot, est régulièrement bouché. Et au chapitre 23, immobilisation en cours pour 22 500 euros, correspondant au bassin de surverse. Et on vous propose un total de recettes d'investissement pour le budget eau et assainissement de 294 000 euros, correspondant donc au chapitre 001, solde d'exécution de la section d'investissement reporté, 78 896,77 euros. Le chapitre 040, opérations d'ordre de transfert pour 163 500. Des opérations patrimoniales au chapitre 041 pour 8 875 euros. Au chapitre 10, dotation fonds divers pour 19 000 euros et au chapitre 13, subvention d'investissement pour 23 728,23 euros. Des questions ou des commentaires ? Alors là aussi, les écarts avec ce qui avait été présenté en janvier. Là aujourd'hui, vous nous présentez des investissements de 294 000 euros. On était à 180 000 en janvier. C'était encore beaucoup plus fort l'année précédente. Donc, il y avait des dossiers sur des bassines à bout. Et là, il y a d'autres natures. Donc là aussi, c'est difficile de se retrouver dans la cohérence d'une année sur l'autre et voire même du début de l'année à cette présentation. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu donc plusieurs problèmes sur le réseau côté Aléguat qui s'est bouché et il nous a paru, et c'est un problème qui a commencé en 2008 mais qui n'a jamais été traité, et il nous a semblé cette fois-ci qu'il fallait maintenant le prendre sérieusement. Et donc, on a décidé de reporter les dépenses sur notamment les bassins de la station d'épuration qui peuvent encore durer une ou deux années et traiter ce problème qui va devenir, un jour, on va être complètement bouché, on n'arrivera plus à déboucher. Qu'est-ce qui n'a pas été traité depuis 2008 ? Depuis 2008, j'ai retrouvé des rapports comme quoi le réseau côté Aléguat, le réseau du lotissement de l'Aléguat se bouche très régulièrement et ça n'a jamais été traité. Et là, je considère que maintenant, on a plus le choix, on est obligé de le traiter compte tenu du fait qu'il s'est encore bouché deux fois entre l'automne et l'hiver de cette année. Non, ça me dit... Ça ne me dit rien. La personne qui m'a le plus interpellé là-dessus, c'est Yvon Collin, qui est directement concerné parce qu'il a des remontées, on va dire, d'eau très nauséabonde dans ses toilettes à l'endroit où il est, ce qui indique le niveau de bouchage du réseau. Qui a des problèmes, j'en dis combien pas, mais qui a eu une alerte forte avec un rapport et que ce n'est pas été traité, ça ne me dit absolument rien. Je peux vous passer le rapport. Vous me passez, oui. En fait, je ne vous fais pas une demande écrite. Je vous fais... hein, on mettez le texte, on le mettra dans le compte-rendu.
Voilà, c'est ça qui explique qu'on a changé notre fusil d'épaule. On pense que ce réseau, il faut absolument le traiter maintenant. Et donc, on a mis le montant principal sur ça. Et on a un petit travail à terminer sur la station d'épuration qui a été commencée sur ce qu'on appelle les surverses. Pas d'autres questions? Ok, on passe au vote. Donc, sur le budget eau et assainissement tel qu'il a été présenté, qui vote pour? Qui s'abstient? Merci. Donc, ce budget est approuvé par 8 voix pour et 3 abstentions. Le budget annexe suivant, c'est celui des ports communaux. Pour la section de fonctionnement 2024, on vous propose un total de dépenses de 54 000 euros. On y retrouve le chapitre 011, charges à caractère général, pour 10 160 euros. Le chapitre 012, charges de personnel, pour 8 500 euros. Le chapitre 023, virement de la section investissement, il n'y en a pas. Le chapitre 042, opération d'ordre de transfert, 34 940 euros. Le chapitre 65, haute charge de gestion courante pour 100 euros. Et le chapitre 67, charge exceptionnelle pour 300 euros, soit un total de 54 000 euros. Au niveau des recettes de fonctionnement, on y retrouve le chapitre 002, résultat d'exploitation reporté pour 1 960 euros. Des opérations de transfert au chapitre 042 pour 5 976 euros. Et au chapitre 70, des ventes de produits pour 46 064 euros, soit un montant total de recettes de fonctionnement pour le budget des ports communaux pour l'année 2024 de 54 000 euros. Au niveau de la section investissement, on vous propose un total de dépenses d'investissement de 257 000 euros, correspondant au chapitre 040 opération d'ordre de transfert pour 5 976. Au chapitre 041, opération patrimoniale pour 4 250. Au chapitre 20, immobilisation incorporelle pour 16 774 euros, correspondant aux études SMEL. Au chapitre 21, immobilisation corporelle 200 000 euros, correspondant à l'aménagement de la cale pour la majeure partie. Et l'équipement SMEL. Et au chapitre 23, immobilisation en cours pour 30 000 euros. Au niveau des recettes d'investissement, au chapitre 001, solde d'exécution de la section d'investissement reporté pour 135